Je suis revenu ici beaucoup plus malade que je ne le croyais. Au lieu de m'en aller à l'hôpital, hein, ce qui aurait été, je dirais, une solution d'homme raisonnable, la crise cambodgienne éclatait. Alors me voilà dans un avion, rendu sur les frontières du Cambodge. Avec un missionnaire américain, un rédemptoriste, le père Brennan, vous savez, ces locomotives qu'on rencontre de temps à autre. Nous arrivons dans ce camp des réfugiés, les Cambodgiens qui avaient traversé la frontière et qui étaient en Thaïlande. Ils étaient quoi, 20 000, on ne sait rien, vivant dans des petites cabanes aux murs de carton. Et c'était, enfin, non pas le tiers-monde, mais c'était, c'était pas le monde à l'envers. C'était, enfin, un carrefour de toutes les misères. Alors, avec le père Brennan, nous avons dit, il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. Tout d'abord, il faut nous occuper des orphelins. Alors, avec lui, je lui ai aidé à construire une orphelinat. Ensuite, une école. Puis maintenant, école pour sourds et muets. Ce sont peut-être les plus belles œuvres. Si jamais on veut voir ce qu'est une œuvre admirable, il faut se rendre à Pattaya. Pattaya, c'est la deuxième ville de Thaïlande et la capitale de la pire forme d'esclavage dans le tiers-monde, la prostitution. Mais c'est aussi pour quelques centaines d'enfants handicapés ou abandonnés, la promesse d'une vie meilleure. Avec l'aide du cardinal Léger, le père Brennan a mis sur pied une œuvre exemplaire, animée par du personnel local et respectueuse des traditions religieuses du pays. Pattaya, c'est un refuge pour les orphelins. C'est aussi une des meilleures écoles de Thaïlande pour les aveugles ainsi que pour les sourds-muets. C'est aussi un centre de formation pour les jeunes handicapés par la polio qui sont abandonnés par leurs parents. Ils y apprennent des métiers modernes comme l'électronique et l'informatique. Leur formation est de qualité et après leurs études, ils se trouvent facilement des emplois qui leur assurent des revenus supérieurs à la moyenne. À Pattaya, on leur donne les moyens de se prendre en main et de devenir autonomes. En 1981, le cardinal, soucieux du développement et de l'avenir de toutes les œuvres caritatives qu'il a lancées, décide donc de les regrouper à l'intérieur d'une même structure, la Fondation Jules et Paul-Émile Léger, qui chapeaute les activités de la Croix d'Or, de l'Institut Cardinal Léger contre la lèpre, du Cardinal Léger et ses œuvres, des partenaires du cardinal, de secours aux aînés, de recours des sans-abri et de partenaires du monde. À travers ces organismes, la Fondation est active dans une soixantaine de pays du tiers-monde et poursuit un objectif unique, donner aux pauvres les moyens d'assurer leur propre développement. La Fondation pourrait non seulement garder l'authenticité des œuvres, mais aurait aussi le privilège d'accepter, de créer, de former d'autres œuvres, d'où l'aide aux aînés, d'où la Fondation elle-même qui a le pouvoir d'apporter une aide dans tous les pays du monde si elle le veut. Vous voyez, il y a là, à la fin, je dirais, sachant que mon départ est imminent d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas simplement l'éminence qui va partir, mais c'est le voyage qui est éminent. Alors, je me suis dit, puisque pendant toute ma vie, j'ai demandé à des laïcs de collaborer à mes œuvres, alors je vais laisser une fondation en souvenir de mon frère, et puis, enfin, de moi, sans y insister trop sur le côté ecclésial, demander enfin, à des laïcs de chez nous de continuer toutes ces œuvres que j'ai créées tant que la Providence le voudra. Mais durant ces années,
Le cardinal Léger ne refuse jamais de prêter son concours à d'autres organisations caritatives, comme ici, lors d'une rencontre avec des gens qui travaillent à assurer une mort digne aux cancéreux en phase terminale. Alors que c'est si simple, puisque nous vivons pour mourir. Et c'est tout au fond. Seulement il y a ce passage, il faut vivre pour mourir. Et durant ce passage, nous nous attachons à tellement de choses que nous oublions ce qui va arriver. Je crois que c'est là, je dirais, ce qui explique que cette espèce d'angoisse inconsciente qui est au fond de nous tous. Moi, le premier, je commence à y penser. Et il faut que ça commence quelque part. J'aime mieux que ça commence dans mes jambes que dans ma tête. Mais je crois qu'il faut se placer devant l'inéluctable, devant ce qui est nécessité de la nature. Car tout ce qui est tissu doit s'user. Depuis le vêtement jusqu'aux galaxies. Sans arrêt et partout, Paul-Émile Léger aura pratiqué passionnément ce qu'il appelle son métier de prêtre. Un métier dont les caractéristiques sont pour lui la prière et le partage. Une prière qui dit à chacun qu'il est le partenaire de l'autre. Une prière qui lui aura toujours apporté ses plus grandes joies. Je me complais, le mot n'est pas trop fort, dans la contemplation des mystères. Je prends mon chapelet et je ne m'arrête pas aux Ave Maria, mais j'entends le murmure de mes Ave. Je récite ces Ave, non pas à la course, mais à la manière d'oraison spontanée. Mais en même temps, et c'est ça qui est important, je vais suivre l'évolution d'un mystère, m'y arrêter, chercher les détails, les paroles. Et c'est alors c'est cette combinaison, cette union de la contemplation et de la prière orale, le murmure de l'esprit en nous. Et très souvent, je me surprends, soit dans la nuit ou des fois dans la journée, je ne suis pas toujours en état de prière, c'est-à-dire en prière active, où je prie et ne fais que cela. Mais il m'arrive parfois de dire, tiens, je suis en train de murmurer. Nous sommes sur la terre en pèlerin, nous sommes enveloppés de mystères et nous avons perdu un peu, je dirais, la clé. Il n'y a plus chez nous de référence à un témoignage autorisé. Quelqu'un qui dit « je sais, moi, ce dont il s'agit ». Je récite je crois en Dieu, mon acte de foi. Chaque article de cet acte de foi, il a été pensé par Dieu. Il a été pensé par un autre que moi. Mais je l'accepte. Hein. Ça, c'est le mystère de la foi. Ceci est mon corps, livré pour vous.